conmigo. Je suis Robert Limbeke, président de Kouma Football Club. Je suis le président de l'organisation du président. Je n'ai pas besoin de me présenter auprès des présidents parce qu'ils savent que je suis le directeur. Cher président, je n'ai plus besoin de me présenter. Vous savez, moi, je suis capable. Ce n'est pas ma première fois d'être président de cette ligue. Pas que ce sera la deuxième fois. Aujourd'hui, je pense que si je suis là, c'est parce que vous m'avez demandé d'être là. Et je suis sûr que vous allez me choisir. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais être jugé sur le terrain. Je me retire comme candidat. Je demande
Amen. Au vote. Monsieur Ecouin Blaise est l'objet d'une procédure disciplinaire à caractère judiciaire au plan sportif. Parce qu'il avait été suspendu en 2017 pour 5 ans sous monsieur Tombé à repos. Et les 5 ans ont été consommés, il n'avait jamais fait appel. C'est moi qu'il est venu voir pour convaincre monsieur Tombé de lever sa suspension. Et monsieur Tombé avait refusé de la lever, il a plutôt confirmé en disant que, étant donné qu'il n'était pas seul dans ce dossier-là, il ne serait pas normal ni judicieux qu'on lève la suspension d'une personne alors qu'ils sont plusieurs. Les autres ne verraient pas ça d'un bon oeil. Donc je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée. Si M. Ecouin Blaise participe au vote ici, je vais détruire cette Assemblée. Je vais la détruire. Parce que son dossier est à la commission éthique. J'avais saisi, après la publication des listes des gens qui étaient retenus, j'ai saisi la commission électorale, mais on m'a dit pourquoi vous saisissez la commission en retard alors que le dossier est clair. J'ai dit, mais c'est mon frère, et je vous le dis, c'est mon frère, on n'est pas ennemi, on n'est pas machin, mais j'ai dit, je lui ai parlé quand nous sommes venus ici à l'Assemblée départementale. Je lui ai dit, je serai le candidat de ceci, de cela. Il m'a dit, pas de problème, j'ai cru qu'il avait compris. Et je suis allé m'occuper d'autre chose. C'est quand on publie les listes, je reste même tranquille. On m'appelle pour dire, tu nous as dit que monsieur est quoi? Donc, oui, monsieur le président, c'était ça. Voilà, c'était ça. Si nous participons au vote, cette assemblée sera annulée. C'est moi qui vais. Comme j'avais attaqué en 2018 l'assemblée de Gassar et Soktaké. Donc, j'ai voulu vous avertir, on va aller au vote. Si le vote, eh bien, sachez que ce sera de passer le dossier à la commission éthique.